vidéo ça spécialement pour parler avec mon ghetto. M'a fait vidéo ça spécialement pour parler à mon qui dans ghetto yo. Et mon qui vivent dans ghetto yo. On parle de ghetto yo, ghetto qui gagne plus renommé yo. On parle de mon cité soleil, mon belé, mon rissé matin, mon en bas d'Elma, mon et belé, mon riel maya, mon et village de Dieu. Moun Gravine, moun Tibois, vous comprenez? Et tout ghetto, monsieur, moun Canaan, moun Kwa de Bouquet, moun La Plaine, moun Torsel, je parle avec nous. Et je dis, et politique qui mène pays à côté de là, c'est mauvais politique qui vient faire avec nous, qui mène pays à côté de là. Et puis, moun qui te qu'on a fait mauvais politique, yo, c'est eux même je dis à cap mandé pour tout et nous. Moun ghetto yo carré chez nous. C'est mauvais politique qui met cité soleil côté li là. C'est nèg qui fait politique tout et maman Iska. Frère goto ya reposer en paix. C'est nèg qui fait mauvais politique qui tout et maman Iska. Ou bien n'en fait mauvais politique tout et maman Iska, ça fait cité soleil pas jamais en paix. Ça fait malheur et malheureux dans Brooklyn. Pas jamais qu'à vivre en paix. Ça fait malheureux, malheureux dans Boston. Pas jamais qu'à vivre en paix. Ça fait malheureux, malheureux qui dans Belécou. Pas jamais qu'à vivre en paix. Et puis, nèg qui fait mauvais politique, qui met cité soleil côté où il y a, yo même, y a vivre bien à madame, yo. Y a vivre bien à petit, yo. Je dis à mon ghetto calé chez nous. L'île pour Brooklyn revive. L'île pour Boston revive. L'île pour Belécou revive. L'île pour en bas d'Elma revive, l'île pour Rielma revive, l'île pour Belé revive, l'île pour Matissan revive, l'île pour Tibois revive, l'île pour Gravine revive, l'île pour Canaan revive, l'île pour La Plaine revive. Moment arrivé pour quoi des bouquets revive. Moun qui dans quartier populaire, bon dit nous ça. Nèg yo pas mandé pour touye barbecue, touye l'amour sans jour, touye vite l'homme, touye Jeff, touye chien méchant, touye Benji, touye Mathias, touye Ti Gabriel. Tout y est, tout y est, tout nèg dans plein yonet. Tout y est, nèg belè, tout y est, nèg grisé matin. Yo pa mande pou tye Izo Atila pli ki li bou goy mano seulement non. Yo pa mande pou tout y est Boutba seulement. Yo pa mande pou tout y est Chris la seulement. Yo mande pou tout y est tout moun ki sorti nan quartier populaire. Et bien ça l'a fait. N'ap kouri, n'ap kite yo tout y est nous. Ou bien camper un bon petit dessaline pour nous défendre tête nous. Exactement, je vais faire un message pour l'autre monde. Je vais faire un message pour que tout côté qui vivent ensemble. Qui connaît et que c'est mauvais politique qui mène nous venir là. Goumen qui te gen belè avec un badelma et tes politiques qui te mène. Je dis à côté organisation droit moun qui te qu'on a proposé à faire rapport et que pour montrer gen massacre sous belè. Je dis à quand organisation doit moun ki on a fait rapport pour montrer gen massacre dans cité soleil. Je dis à organisation doit moun ki on a fait rapport pour montrer gen massacre Grand Ravine village de Dieu. Yo t'a fait politique avec nous. Yo t'a divisé nous, yo même pou yo t'a ka régner. Yo t'a divisé nous pou yo t'a ka vivre bien. Et ça faut que cité soleil revive, faut que la Saline revive, faut que Wav Jérémy revive. Faut que Jérémy vive. Faut que village de Dieu vive. Faut que mon Canaan vive. Peuple haïtien, calé jeune. Calé jeune, si nous voulons comprendre. Même si peuple haïtien, et nous préciser, moun qui nous ont dit vivre ensemble. Même parler pour peuple en général. Mais ma parle avec moun cité soleil. Moun nan Brooklyn, vidéo ça est pour nous. Moun nan Boston, vidéo ça est pour nous. Moun Belécou, vidéo ça est pour nous. Moun Wav Jérémy, vidéo ça est pour nous. Moun La Saline vidéo ça est pour nous. Moun en Badelma vidéo ça est pour nous. Moun Belé vidéo ça est pour nous. Moun Rissé Martin vidéo ça est pour nous. Moun Grand Ravine vidéo ça est pour nous. Moun Tibois vidéo ça est pour nous. Moun et village de Dieu vidéo ça est pour nous. Moun Canaan vidéo ça est pour nous. Moun La Plaine, moun Kwa de Bouquet vidéo ça est pour nous. Moun Mariani vidéo ça est pour nous. Monsieur Josia, bah c'est nous tout pour regarder vidéo ça. On nous fait serment sous vie nous. Jamais plus jamais pour nous ne pas diviser à l'autre encore.
Parce que c'est là nous divisés, adversaire pas nous en fort. Mais tout autant nous unis, adversaire nous, on comprend, mais il connaît le bac à rouler sous nous. Tout ça qui a parlé la gros vent, s'il a appelé. Parce que nous soudés, parce que nous étions vivants ensemble. En nous battre pour nous continuer à être vivants ensemble. En nous font gens, et que pour la vie reprenne dans la cité soleil, pour tout le monde, pour la population, pour le monde Brooklyn, qui a vu le monde qui descend sous la flamme en bas, dans Brooklyn, le monde Boston, qui a souterrain, qui a joué football en bas dans la cité soleil. On met tête nous ensemble. Ok? On met tête nous ensemble. On est déjà, si nous avons fait une première vidéo, je dis à un week-end, même si nous faire une vidéo spécialement tout, pour me parler avec nous, parce que pendant le week-end, on a besoin en haut, on a besoin en bas. Ok? Il va pas de monde dans le gendarme. Quand il y a un petit fait, quand il y a un grand monde, un petit fait pas prendre. Et puis quand il y a un grand monde, un petit fait pas prendre. Un week-end, un week-end, on a besoin de nous, mais on a besoin. On a besoin. Depuis qu'on frappe, depuis qu'on dit l'honneur, on a tout répondu au respect. Depuis nous avons salé déjà. Vive ensemble. Et monsieur, chef, on libère les ghettos, on fonce seul. Ok? Depuis nous avons salé déjà. Pas gen ni moun Brooklyn ni moun ceci ni moun cela bon moun c'est monsieur qui sous écran monsieur que en pile là nous connaît li remarquez là gen trois images ou après gen une lettre gen photo Lionel Lazare que en pile là nous habitué tendez c'est monsieur qui responsable syndicat ça qui c'est Sinapoa gen Ramon Normil qui sous li et puis gen Pierre Espérance qui sous photo ça tout Lionel Lazare. Monsieur, c'est un policier, je crois, qui était un agent 3, mais qui pas, qui récemment venu un agent 4, selon ça m'apprend. Pendant ce maintenant, tu as eu un bruit de tap courir comme quoi, Ramon Normil t'a baillé monsieur promotion pour le vin inspecteur. Bah, ça qui t'en prend réseau par l'empile, mais c'est pas vrai. Au contraire, je t'ai démenti, je t'ai dit non, il pas vrai. Au contraire, c'est une première qui t'a annoncé que, selon information, il y a une possibilité pour monsieur vin porte-parole police là en après porte-parole adjoint PNH là encore là grand petit problème même t'a discuté ça en zanmi matin hein? Moi même si m'étais dans place Ramon Normil m'pa wè dans qui sens que m'ta pral rete on nèg ta kou Gary Desrosiers dans poste là monsieur son confrère de la presse etc., qui habitue avec tout média tout journaliste m'pense que même si monsieur peut-être si gonba ou t'es ka reproché li m'pa konn ki ça. On pensait n'était qu'à juste traiter ça et puis quitter Gary puisque on était mettons nèg Michel-Ange Louis Jeune qui monsieur très correct qui très formé mais qui gagne moins pratique parler dans média que Gary monsieur que Louis Jeune était toujours là et Gary Desrosiers a toujours été comme porte-parole adjoint police là mais comme on connaît les nèg chef yo fait ça ou vle yo décider ça ou vle le moins apprendre yo décider pour yo mettre jeune garçon ça Lionel Lazare comme porte-parole police là premier samedi tête moi dit que ben si yo ba monsieur poste ça c'est parce que Ramon Normil récompensé monsieur moi c'est comme ça mien me dit yo récompensé monsieur sou ki, pour qui ça parce que me songe le te gen gros goumet t'a fait pour formation syndicat dans police là avec SPNH 17 le te gen question 509 fantôme qui t'a factualité. Lionel Lazare, c'est une nonne qui te vina avec question ça à Sinapoa, mais l'objectif principal, c'était camper en face SPNH 17. Tu regardes, il doit dire tout ça, il doit avoir toute connotation, mais en réalité, c'est ça le dé. Pour être capable d'apaiser la situation, face à la frappe Ramon Normil t'apprend à l'époque, il vient créer deux syndicats dans la police. Là. Ce même Pierre Espérance, je dis, hein, c'est même qu'on relait syndicat, monsieur, syndicat jaune. Donc, en pile nèg dans SPNH 17, en pile nèg qui était dans même opposition à l'époque avec Jovenel Moïse, il était qualifié syndicat Sinapoa comme syndicat jaune. Parce que syndicat ça, c'est ton syndicat qui t'es créé dans l'idée pour te camper en face Yannick Joseph. Abelson Gouneg, et comment l'autre ami a réglé l'inspecteur lundi, etc. Et donc, Sinapoa a vingré, ça te fait.
Nous toujours gen problème avec un série de jeunes garçons qui parfois prend pause sous yo bassesse yo, petit tempérament. Parce que me pensais c'est exactement ça monsieur Pays Jodia. Donc monsieur était campé Sinapoa pour te vin fait travail Ramon Normil à l'époque et puis baisser feu SPNH 17. C'est dit qu'a vin créé, il continue à frapper au contraire pendant une bonne période de temps. C'est un coup SPNH 17 vient effacer. D'ailleurs, tu as plus persécution contre yo par rapport à Phantom 509. Tu as plusieurs là de t'es arrêté, inspecteur lundi t'es en difficulté, Jean Elder lundi, et merci Moro Anselme, monsieur t'es en difficulté, yo t'es même mettez le mandat de monsieur, presque tout membre SPNH 17 t'es en difficulté, t'es un mandat contre yo. Jusqu'à présent, bah mon si mandat ça t'es sorti. Dont Yannick Joseph, etc., tout en difficulté. Nous sommes Gerabelson, Gounek, monsieur, pour un paquet en prison. Nous pas en pile cap défendre monsieur pour être capable de sortir. Eh bien, écoutez, Sinapoa lui-même, lui-même, puisque lui-même, il n'est pas dans l'opposition à l'époque, eh bien, Sinapoa vient prendre dimension. Mais en réalité, c'est seulement Lionel Lazare que vous connaissez comme Sinapoa. Debout de Sinapoa, c'est Lionel Lazare. D'ailleurs, c'est monsieur qui intervient dans toute émission, etc., etc. OK? Ça dit c'est monsieur. Brusquement, pendant Ramon Normil retourné là comme directeur général police là, Ramon Normil, qui quand même apparemment pas ingrat, lui songeait qui qualité pression Lionel Lazare te prend pour lui, eh ben finalement, lui semblait te vouloir récompenser monsieur. Et moi estimé justement, ça qui passe à archi grave. Et si Ramon Normil vient là dans l'idée pour mener police là, comme ça police là crasé net, Jean te commence crasé là. Nous clair sur ça. Et c'est ça que fait parfois on est gen droit fin d'accord avec parce que moi m'abdou ça ou pas ta remet tande ya. Mais m'abdou ça qui vrai. M'bra l'expliquer pour qui ça. Lionel Lazare monsieur gagné information que le pral nouveau porte-parole police là. 15 juillet passé là, jeudi à nos 19 qui donc ça fait déjà 4 jours. Qui donc environ 4 jours. Monsieur écrit une lettre, li adressé lettre ça à secrétaire général syndicat qui c'est Mathieu Nissidel, monsieur remet démission comme coordonnateur général et ben syndicat national policier haïtien yo Sinapoa. J'ai écrit une lettre le 15, li écrit lettre là pour remettre démission. On t'ai annoncé ça sous page moi que monsieur pas coordonnateur général Sinapoa encore parce que yo informé Ramon Normil informé monsieur li chita avec li dit mon cher m'a metto là comme porte-parole adjoint police là et de fait sans aucune lettre son pays difficile sans pas qu'aucune lettre qui sorti Ramon Normil choisit monsieur comme nouveau porte-parole adjoint et puis li prend disposition ailleurs pour l'installer monsieur comme nouveau porte-parole en après police là. Tendez au pays là. Est-ce que nous comprenons ça avec Smigen là? Ça dit nan bouche parce que lettre pour qu'on sorti et ça te fait ou même capitaine de la faut attendre bien pour comprendre. Vol civil ma. Faut pas attendre à qu'on seules oreilles, attendez bien, faut avoir une capacité pour comprendre tout. Si là mon homme il continue comme ça la craser police la plate que Jean t'ai commencé craser là. On va l'expliquer pour qui ça parce que m'pa ko di pour qui ça me dit ça. Kounye là, yo fin dit monsieur que c'est lui-même qui c'est nouveau porte-parole. Eh ben OK, nan bouche, yo dit ça. Nan bouche tout, yo dit mon cher oui, faut installer. Hier après-midi, yo installé mon cher comme nouveau porte-parole adjoint police là. Moins de 30 minutes, monsieur Robert fin souke kol pour le connaître ses porte-parole. Moins de 30 minutes après gon marché pressé côté au dit monsieur mon cher ou pap capote parole encore non parce que son pays difficile selon ça Lionel Lazare lui-même lui expliquer parce que là m'a cherché contre me dit mais ça passé parce que pour moi même son humiliation, son déception, son fréquentité. Moi-même, Gazette Haïti font publication pour le dire que rapidement installé,
puis révoqué et yo t'a accusé Lionel Lazare comme nèg qui nan corruption, comme nèg qui se marchand passeport. Tendez bien pays a pour nous comprendre. Yo accusé monsieur comme nèg qui t'a vendre passeport et Pierre Espérance en particulier dénoncer ça. Et monsieur Relan moi li dira mon homil li pa ka mete monsieur comme porte-parole en après qui donc n'a dit mon plaisir monsieur entre flap li sorti floup et puis me dit oh kounya me dit mais ça qui passé il me prend un petit temps pour m'expliquer nous pour qui ça me dou si Ramon homil praler comme ça l'a crasé police là pire raide que Jean qui commence à écraser. Bon parler surtout avec Ramon Omil et ses partisans, ses supporters. Il y aurait les Thierryel Telus. Et me fier parce que c'est la grande yo. Me fier parce que c'est nèg qui habitué manger ouais et dernier là manger, c'est yo m'habitué manger. M pas nèg Port-au-Prince, m pas con hamburger. M pas mes bagages ça yo. Écoutez, yo fait nommer monsieur et yo révoqué dans l'immédiat même lettre là le pas temps. Recevoir. Mais j'en te dis, y a capable son application, ça a toujours arrivé à réinstaller, monsieur. Parce que y a installé, pendant que je parle là, monsieur, désinstallé, ça a arrivé à réinstaller. Nous ne connaissons pas son pays difficile de vivre. Monsieur, confirmez que c'est Pierre Espérance qui porte plainte contre lui, qui fait la gueule ta vie mal garder, humilier dans l'état ça. Je dis, mais comment Pierre Espérance? Oui! Parce que yo accusé monsieur comme nèg qui t'a vendre passeport dans Delma 33. Plusieurs policiers confirmé oui monsieur t'a vendre passeport. Et puis qui ça me fait moi-même? Comme ces journalistes mié mal cherché comprendre est-ce que effectivement monsieur t'a vendre passeport? Parce que y a pas ça nèg dim. D'ailleurs, nous nèg yo t'a dans compétition entre Sinapoa et SPNH 17. C'est pas parce qu'on est dans la même promotion avec lui obligé bah toute vérité sous lui. Il doit bah vérité, il doit bah mentir. Mais son père moi-même ndou et pas tout policier de bonne information on prend pour l'évangile parce qu'on connaît grand pile ces bluffeurs ouais. Et yo tout a défendre petit clan pa yo. Combien ça mal fait? On dit Ramon Omil font faute grave et son gros faux pas mis je vais. Pour qui ça? Comment pour ce directeur général police? Et ça te fait qu'on y a quelques soit nomination Ramon fait m'a bien doute sur lui. Comment ou c'est directeur général police? Attendez. Ou accepter bayon nèg qui pral représenter image institution. Son pas mener enquête sur lui pour connait qui est lié. Qu'on y a c'est l'autre monde qui a dit non nèg sont pas ka nomel. Qui sont veut dire là? Ou pas dit non là pour rester comme chef police là mettre là. Parce que ou pas m'kon sa wap fè. Ou ta kon ti jouet yo-yo, se moun kap menon kap guido. Sa prouve ko ou pa gen kapasite pou diriger comme chef police. Non clair sou sa, hein? Ki sa k passe? Premier faux pas que Ramon Omil fè, est-ce que li gen évidence à toute Pierre Espérance? Est-ce que yo gen évidence à tout policier kap parle yo? Est-ce que yo ka prouve par yon image que c'est Lionel Lazare vraiment t'es dans 20 passeport dans Delma 33. Pour qui ça me dit ça? Effectivement, gagnon Lazare qui t'es dans corruption. Lazare ça t'es tellement fond dans corruption, ULC c'était fourre bouche dans causé a, yo t'es arrêté monsieur. Tendez, oui pays a. Mal mis enquête et mal cherché moi effectivement le 16 mai 2023. Gen yon question de 225 000 goud pour 5 passeports qui t'a parlé. Et gon citoyen qui rele Jean-Willy Lazare, qui était superviseur dans centre Delma 33, côté où t'es cité non monsieur dans corruption. Est-ce que c'est pas une coïncidence? Est-ce que Ramon Omil gen évidence? C'est Lionel Lazare effectivement t'es dans corruption ou bien c'était Jean-Willy Lazare? Parce que ce Jean-Willy Lazare te fait tête qui passait comme un inspecteur qui travaille pour immigration. Alors ce que c'était archi faux. Est-ce que Pierre Espérance gagne évidence c'est Lionel Lazare effectivement qui était dans vendre passeport? Parce que les logiques. On dit que un policier
qui n'ont espace. Nous avons besoin de bagages, par exemple, on dit bail passeport, tu as un pile marché pressé. Si je connais un policier qui est dans l'espace là et puis il a le travail, je vais toujours demander à mon cher Mbral faire des trois passeports là, oui. Est-ce qu'on a fait un genre? C'est vrai. Tout ça, toujours, c'est tentative de corruption. Mais Kounia, est-ce que s'il faut rentrer le mandat l'argent, ça c'est corruption, mais s'il pas mandat, il juste facilite au rentrer, est-ce qu'on relève ça corruption dans le sens que il demande l'argent? Parce que vous réfléchir, bah yo. Ça arrive que monsieur, pendant qu'il est en dedans, il fait deux, trois mounes à faire passeport. Mais est-ce qu'on te balon l'argent pour ça? Sous par évidence, fais un bouchou. Parce que, et pas tout ça, policier, bon pour prendre comme l'évangile pour vérité. En matière de dénonciation, en matière de corruption surtout, faut une évidence pour dénoncer. Effectivement, justement, Jean-Willy Lazare, qui était superviseur dans Delma 33, monsieur était épinglé pour corruption. Et non seulement il était épinglé, monsieur, monsieur était arrêté. Et si monsieur dans la rue, c'est peut-être qu'on y a plusieurs médias qui écrit sur lui. Le Nouvel Liste écrit sur lui. Haïti 24 écrit sur lui. Juno 7 écrit sur lui. Ou qu'a seulement regardé. Qu'on y a en garde pour eux. Est-ce que moun qui était dans corruption ou t'es arrêté, hein, qui c'est Lazare là? Est-ce que c'est Lionel Lazare ou bien c'est Jean-Willy Lazare? C'est un petit exercice. D'ailleurs, Lazare, c'est le dernier monde que je t'ai défendu. Je juste à bord en vérité que je pas dit. Parce que vous me dites moi-même, je ne pas défendre personne. Je défends Haïti. Ou à faire ça que bon, je m'embrasse. Si je m'estime comme si je n'ai pas fait tout son abus, son méchanceté, je dénonce. C'est ça lié. Est-ce que là, mon ami, il est emmené enquête pour le nèg qui te embrasse passeport? Est-ce que c'est pas une confusion de gagner entre Jean-Willy Lazare et Lionel Lazare ou bien est-ce que effectivement c'était Lionel Lazare qui était dans brasse passeport? Si oui, qui évidence qu'on gagne sous ça? Comme c'est Haïti, nous avons toujours fait ça, nous dit ça, etc. Mais moi-même, quand il y a le ça fin passé, je me dis bon, pas un problème parce que ça a toujours arrivé. Lionel Lazare, effectivement, monsieur dans la corruption, ça arrivé. Mais ou pas qu'à prouver. Et puis mal gardé justement, pas mal gardé plutôt un article, le Nouvel Liste écrit, et puis moi elle dit que Jean-Willy Lazare, superviseur du centre de réception et de livraison de passeport de Delma 33, épinglé pour corruption. Jean-Willy Lazare, superviseur du centre de réception et de livraison de passeport, au commissariat de police de Delma 33 est épinglé pour corruption. Ce dernier a exigé de fortes sommes d'argent pour la livraison de 5 passeports. L'unité de lutte contre la corruption ULCC recommande la mise en disponibilité de Jean-Willy Lazare ainsi que la mise en mouvement de l'action publique contre lui. Les époux Emmanuel Dorma, Louis, la femme née Florentine Agent, qui ont versé le pot de vin sont sanctionnés eux aussi. Écoutez, l'ULCC a publié le résumé exécutif du rapport d'enquête mené sur des soupçons de corruption à l'encontre de monsieur Jean-Willy Lazare, Jean-Willy Lazare, superviseur du centre de réception de livraison de documents d'identité logé au commissariat de police de Delma 33. Selon le rapport, le superviseur a extorqué aux demandeurs de passeport des montants variant entre 45 000 et 50 000 goudes. Et effectivement, ce montant, ça a dit pour Lionel Lazare. Est-ce que ce n'est pas coïncidence? Est-ce que ce n'est pas comme si confusion? C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas défendre Lionel Lazare. Même pas ta vle tout. Nous, juste à bail mentor pour nous blaser négla sans que nous pas même gain vraie information. Parce que c'est même somme ça, il dit, oui, Lionel Lazare. Alors que, c'est pas Lionel Lazare, ULC, c'était metté en Baidel. C'était plutôt Jean-Willy Lazare. Effectivement, qui côté? Dans le commissariat Delma 33. Est-ce que son coïncidence? M'baronne. Bon, on quitte ça parce que nous son pays difficile. Haïti, mon fait ça, ou le Haïti, son pays qui charge mon tête qui pas fin bien là-dedans. Et c'est qui t'a quitté ça?
Ou gen ba alors pas comprendre ni et vagou bay. Ou comprendre ça m'dou. Nèg gen doit toujours dire alors tété, sop défendre là, m'pap défendre hein. M'juste Abdou ça k'ap fait là, li pas normal et en toute réalité n'pa pas ka fonctionner comme ça et m'estimer que Jean yo humilié monsieur comme jeune garçon hein. En toute logique, yo pas ta doué humilier monsieur nan niveau ça. C'est pas logique. Est-ce que gen plainte qui dépose monsieur déjà dans inspection générale? M'pa konnen si ga mon nom il joine plainte ça yo. Est-ce que gen plainte qui t'est déposé contre dans direction générale police là? M'pa konnen si ga mon nom il gen plainte ça yo. S'il pa gagnel ou pa ka ki ton nèg on radar tête seulement relo pour le doue, monsieur dans volo, il dans corruption, il pa ka porte parole. Est-ce que le bon évidence? Est-ce qu'on mène enquête déjà comme nèg qui t'est dans DCPJ? Sinon son bêtise yo pas sérieux mon cher. On clair sur ça. Et si c'est comme ça, n'a fait carin ou le mavem. Jean-Willy Lazare, pas Lionel Lazare. Parce que tout ça m'a pris dans le texte, le Nouvel Islam, c'est exactement ça nous dit de Lionel Lazare là, qui donc nous confond moun yo. Sous gen évidence, juste prouver le. De ma vin la lundi, me dit ok, mais gen tel nèg la gen évidence, c'est Lionel Lazare effectivement t'es dans volo. Mais sous pas gen évidence ça nan mon, ferme bouchou. Parce que pas dissolve sous moun non pays. Pierre Espérance, m'songe Pierre. M'songe tout ça que te kon di. M'songe déclaration. M'songe de kon fait compte. Même Ramono Milza, lorsque le chef police là, qui te dit que je pas gen leadership. Tu te dit que son tête police au commandement yon pas fin correct, des mélanges. Et puis moi je dis à ce même monsieur qui paraît là comme grand conseiller Ramono Mil. M'vin m'pe neg ici, m'ba konan ken neg ici. Ankin nèg abrele o tete bagay bay se non nèg mba moi même mba fè youn nèg sa yo confiance parce que yo prouvé ou pa gen capacité comme policier pour yo fonctionner. Ba un problème non. Son nèg gen évidence on nèg dans volo prouvèl mais pas seulement écrit mon petit texte oui vrai tete kote so gen amon. Alors que plusieurs articles écrits sous yon nom qui nan même commissariat qui sont Lazare qui relè Jean Willy Lazare qui parle Lionel Lazare. Il n'y a pas besoin de famille. Même estimer son méchanceté, je dénonce. Et c'est ça qui fait force moins, qui fait émission PAMNA gagne tout succès que le gagne. Et je ne pas dans passe pour qui parti pris pour personne. D'ailleurs, pas gagne qui a utile moi. Je dis ça déjà. Je défends Haïti, je défends ma patrie, je défends le pays. Mon seul bagage besoin en Haïti pour l'instant, m'ka descendre mal font vie rêve moi dans pays à ça seulement. M'pa gen ken espoir, ken chef, ken ambassadeur, ken ministre, ken DG, m'pa gen espoir moun sa ou so rien. Vous comprenez ça me dit nous? Son vie rêve m'en va le faire dans pays m'bol en mer à ça seulement besoin. Mais ça crivé a, c'est une leçon parce que Lionel Lazare elle t'a fait tout petit sous-sou li pour te défendre à mon 1000. Pour te camper en face SPNH 17 et c'est comme ça on récompenser le jodia yo humilier ban jeune garçon apprendre kembe escamp figino on quitte ça.